à la Bible, vous posez la question, quel genre, de quel genre d'impureté vous êtes affranchi? L'impureté dans les nombres ou l'impureté dans l'Apocalypse, ce qui dit que si tu es impur de cette manière et tu meurs dans cet état-là, tu peux être pur selon, sous l'angle de Lévitique et Nombre. Et si tu es impur dans la Nouvelle Alliance, c'est fini pour toi. C'est pourquoi nous devons prêter attention. Qu'est-ce que l'impureté? Comment pouvons-nous en être affranchis? Comment pouvons-nous être libérés de l'impureté? Ce soir, nous allons voir la purification divine de la souillure qui damne l'âme. La purification divine de la souillure qui damne l'âme. Nombre 19, verset 17. Nombre 19, 17. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Verset 19. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Le troisième jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Et le verset 20. Le verset 20 dit, un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandu sur lui, il est impur. Le verset 22. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Alors, venons aux Éphésiens 5 dans le Nouveau Testament. Nous lisons Éphésiens 5, 5. C'est ici que nous devons avoir la compréhension, parce que si on ne comprend pas ceci, et si nous retournons à l'ancienne alliance et nous sommes purs sous l'angle de l'ancienne alliance, voici la nouvelle alliance. Il ne s'agit pas de toucher, de prendre, traiter jusqu'au soir ou sept jours. Ceci, c'est la vie même. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le verset 6 dit, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous voyons la purification divine de la souillure qui damne l'âme. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, la condition pure devant la loi, mais impure devant le Seigneur. Ces enfants d'Israël, au temps de Christ, ces pharisiens, ces sadducéens sont purs,
devant la loi, mais impur devant le Seigneur, devant l'Éternel. 2. La purification. Purifié par le Seigneur, non entaché par l'anarchie. Purifié par le Seigneur, parce qu'ils sont purifiés par le Seigneur, le croyant, l'enfant de Dieu, lavé dans le sang de l'agneau, ils sont demeurés irréprochables, non entachés par l'anarchie. 3. La constance, la continuation, la fidélité, pure aujourd'hui, pure demain, pure à tout moment, la constance, pure pour le Seigneur, consumé comme le zèle, consumé comme notre Seigneur. Premier point, la condition pure devant la loi, impure devant l'Éternel. Nous allons à Matthieu 23, 25. Voici les pharisiens et les sadducéens, les dirigeants du pays, qui sont méticuleux d'être purs sous l'angle de Lévitique et Nombre, pendant qu'ils ne sont pas purs selon l'attente du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voyons, Ésaïe 65, verset 5, qui dit: retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Car je suis saint. Il observe toutes ces lois cérémoniales de l'Ancien Testament et ils sont arrivés au zénith, croyant être plus pur que tout le monde, pur devant la loi, mais impur devant le Seigneur. Et c'est dit que de pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Le Seigneur dit, vous croyez être saint, vous croyez être plus saint que tout le monde, parce que vous portez la sainteté extérieure, mais au-dedans, vous n'avez pas la vie de pureté, de justice, de sainteté. Le Seigneur dit que ce sont des fumées dans ses narines. Et c'est un feu qui brûle toujours. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, extérieurement pur, mais intérieurement impur et condamné. 2. Ouvertement consciencieux. Et il garde tout. Ne touche pas cela. Lève ta main. Fais ceci. Lève-toi les pieds. Ils sont consciencieux, ouvertement consciencieux, mais individuellement impie et charnel. 3. Évidemment, compromis. Ils compromettaient la foi, ils compromettaient le standard, les normes, la vérité évidente à tout le monde, visible aux disciples de Christ. Évidemment compromis, mais intérieurement insouciant et satisfait. Ils étaient satisfaits de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient satisfaits de leur rectitude extérieure, et qu'ils sont droits, ils sont saints, que moi je ne touche pas le corps mort, je ne touche rien qui me rend impur. Évidemment, oui, ils sont si consciencieux, mais ils compromettaient. Et ils sont demeurés, oui, insouciants, et même pour leur conversion même. Allons à la première partie ici, nous allons voir
extérieurement pur, mais intérieurement impie et charnel. Matthieu chapitre 23, 25, ce sont les paroles de Jésus. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà le verset 26 qui dit: pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Voilà le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Intérieurement, au-dedans d'eux, dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur projet, dans leur action, oui, dans leur proposition, dans leur vision, en tout ce qui les dirigeait, ils sont pleins d'impureté. Le verset 28 dit: vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la hyène? Extérieurement parlant, ils sont purs. Méticuleusement, ils observaient cette affaire, ces approches de pureté dans l'Ancien Testament, mais dans leur cœur, ils sont impurs. Et Jésus a dit que vous vous gardez parfaitement pur selon les nombres 19, mais vous êtes encore pour l'enfer. Serpent, et vous race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la hyène? Voyons la deuxième partie ici, ou vêtements consciencieux, mais individuellement impie et charnel. Ou vêtements publiquement, comme vous les voyez, et ils marchent lentement, prudemment, ils veillent les choses avec lesquelles ils sont en contact, et parfaitement, ils paraissent aux vêtements purs. Alors qu'au-dedans, en secret, dans le privé, ils sont impurs. Matthieu 23, voyons Matthieu 23, verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Vous voyez, extérieurement, toutes leurs actions. Ils vont de cette manière et on regarde, qui les regarde, ils observent qu'est-ce qu'ils font afin que publiquement, qu'ils paraissent purs à la loi. Mais ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, pour être loués, pour être appréciés par les hommes. Et quand ils comparent leur vie à Deutéronome, au Nombre et à Lévitique, les gens qui lisent ces choses ne touchent pas ça, ne faut pas tenir ça. Alors ils les louent. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements.
Voyons, deuxième roi, chapitre 10, deuxième roi, chapitre 10, le verset 16. Si Jéhu appelait ici Jonadab et dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et il l'emmena ainsi dans son char. Verset 17 dit, 17, lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie. Et il les détruisit entièrement, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Ici, voici Jéhu. Ce Jéhu dit, viens Jonadab, viens voir combien je suis zélé, ouvertement, consciencieux, cependant, impie au-dedans, impie en pensée, impie dans la vie, impie dans sa disposition envers le Seigneur. Verset 31 qui dit, toutefois, cet homme qui est très zélé, venez voir mon zèle pour l'Éternel. 31, toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. C'est pourquoi nous devons être très vigilants dans notre vie, être méticuleux à l'endroit de ceci et ma vie intérieure. Je suis très consciencieux au sujet de ceci et ma vie intérieure. Au dehors, oui, tu parais une personne très ordonnée, tu parais agréable à Dieu, mais au-dedans de toi, comme j'ai eu, zélé, consciencieux, au dehors, mais au-dedans, et ça dit que j'ai eu, ne prit point garde à marcher de tout son corps, et il s'est égaré et il a suivi Jéroboam qui a fait pécher Israël. Osée au chapitre 8, verset 8. Osée chapitre 8, verset 3. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils sont après la pureté extérieure, ils sont après la dévotion extérieure au Seigneur, ils sont après l'observation de la loi de Dieu, mais au-dedans, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Voilà le verset 8. Verset 8 dit, Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Ils obéissent extérieurement, mais intérieurement, ces lois en Lévitique, en Nombre, ne tue pas ceci. Si tu tues cela, tu seras impur. Et ils sont demeurés purs pour observer ces lois. Mais se sont mêlés avec les païens jusqu'à ce que le Seigneur dise que je ne tiens aucun plaisir d'Israël. Vous êtes impurs au-dedans. Regardez votre vie. Examinez votre disposition. Regardez vos pensées. Regardez votre comportement. Regardez votre caractère. Regardez votre attitude vis-à-vis des choses de Dieu de tout votre cœur. Le Seigneur va-t-il dire qu'il n'a pas d'affection pour lui? Il est actif. Oui, il est une personne zélée. Il va ici et là. Il fait ceci et cela, mais c'est seulement pour impressionner les gens publiquement. Mais
je n'ai pas de plaisir, je n'ai pas d'affection pour lui. Le verset 12 dit, c'est ce que Dieu dit maintenant, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Oui, ce qui est relatif au cœur, mais elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre vie. Est-ce que notre vie porte ou bien se concentre seulement sur les choses extérieures et donc devient comme les pharisiens et les sadducéens, que je ne touche pas cela, je ne bois pas cela, je ne porte pas cela, mais au-dedans, qu'est-ce que Dieu voit? Numéro 3, évidemment compromis, mais intérieurement insouciant et satisfait, évidemment. Oui, évidemment compromis. Est-ce que nous sommes encore sur la conviction que nous avions au commencement? Rappelez-vous le moment où vous êtes né de nouveau. Rappelez-vous votre consécration au Seigneur, que quelqu'un soit là ou pas. Rappelez-vous, vous étiez un homme, une femme de conviction. Où est maintenant la conviction là? N'est-ce pas la religion maintenant qui porte sur ce que je vois quand les gens me voient et ce que je fais quand ils ne me voient pas? Beaucoup de personnes maintenant, évidemment, ont compromis leur style de vie. Ils ne regardent plus la parole, ils regardent. Et que tel papa, ils regardent telle maman. Dès que tel papa, telle maman les approuve, qu'est-ce que papa connaît de vous? Seulement la chose intérieure, seulement ce que vous dites, seulement ce qu'on voit. Qu'est-ce que telle maman connaît de vous? Seulement ce que vous faites lorsque vous êtes devant eux. Et vous ne faites pas ces choses-là. Vous n'allez pas faire sortir vos pensées, les pensées sales, les pensées souillées, les choses mauvaises là, vous n'allez pas les faire sortir devant papa là, devant maman là. Mais nous devons penser à la personne que nous sommes au-dedans. Qu'est-ce que nous faisons au-dedans? Alors, toi ici, c'est évidemment compromis, mais intérieurement insouciant et satisfait. Jérémie, au chapitre 5, verset 31. Jérémie 5, 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. La compromission, compromis, mais insouciant. Que ferez-vous à la fin? Osée, chapitre 7, verset 8. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné, brûlé d'un côté, mais cru à l'autre bord. Alors, un gâteau qui n'a pas été retourné. Verset 9. Des étrangers consument sa force. Des étrangers consument sa force. Ne parlons pas d'Éphraïm, parlons de la vie profonde. Des étrangers qui sont venu aider, il nous publie, il nous apprécie, mais est-ce que nous leur permettons de s'infiltrer dans notre conviction en sorte qu'on ne peut plus prêcher ce qu'on prêchait, on ne peut plus souligner ce qu'on soulignait, on ne peut plus être franc, poignant et parler de la repentance tel qu'on en parlait? Je pose la question, si nous sommes tels, dont nous sommes comme Éphraïm, nous ne pouvons pas
doit être ce que doit être la vie d'un véritable enfant de Dieu. On ne peut plus parler de la restitution dans le mariage. La restitution, si tu as volé et tu as maintenant bâti un château, si tu dois être en bon terme avec Dieu, tu dois faire la restitution. Est-ce qu'on peut prêcher cela aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, moi je prêche, je le fais. Je vous demande, où sommes-nous? Est-ce que des étrangers sont venus en nous, qui nous ont infestés, qui ont consumé notre force et ils ont brisé notre conviction et ils ont flouté notre vision, on ne voit plus. C'est la controverse que Dieu avait avec les enfants d'Israël. Des étrangers consument sa force. Et ils ne s'en doutent pas. Ils ne s'en doutent pas. Ils coopéraient avec celui-ci, avec cela. Ils se laissent à ceci, à cela. Et sa force, la force de la prime jeunesse, en servant le Seigneur, en prêchant l'évangile, la force est dévorée, est détruite. La force n'est plus. Et ils ne s'en doutent pas. Pensez-y. Dans votre église locale, l'épine dorsale que vous aviez, pensez-y. Votre position ferme que vous aviez, pensez-y. Mais maintenant, comme vous vous mélangez avec ceci, avec cela, et maintenant, on cherche quelque chose. On ne cherche pas que les âmes soient sauvées. On ne cherche pas que ceux qui sont sauvés soient affermis sur la vérité de la part de Dieu. Les étrangers viennent et ils ont consumé la force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Ephraim, qu'est-ce qui t'est arrivé? Israël, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, tu n'utilises plus le miroir. Pensez à une personne qui n'a pas de miroir dans sa douche, dans sa toilette. Il n'a pas de miroir dans sa chambre. Et il entre, il sort, pas de miroir. Et il ne se mire pas. Et il y a des signes de vieillesse, des attitudes de faiblesse. Il ne se mire pas parce qu'il ne se mire pas. Est-ce que vous pouvez penser à une personne qui ne se mire pas pendant un an, deux ans, sept ans? Beaucoup de personnes ne se mirent pas dans le miroir de la part de Dieu et comparer ce que le miroir dit d'eux et comment ils se présentent et tout le monde voit, oui, les cheveux blancs, les signes de faiblesse, de la vieillesse, il voit cela à tout moment, mais il n'a pas le miroir pour se mirer, il n'a pas le miroir pour se regarder, il ne s'en doute pas. Voilà le verset 10. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ouais, nous sommes revenus au Seigneur. Qui dit qu'on n'est pas revenu au Seigneur? On vient à l'église, on va au temple, on observe ce qu'on lit en nombre. Nous ne touchons pas ceci, nous ne prenons pas cela. Voilà le verset 16. Ce n'est pas au très haut qu'il retourne. Ce n'est pas au très haut qu'il retourne. Ils sont retournés à ce que les gens espèrent d'eux. Ils retournent à ce qui va plaire à leur nation voisine. Mais ne sont pas retournés de tout leur cœur à l'Éternel. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Insouciant,
inconverti. Matthieu 13, verset 15. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Non, ils ne sont pas convertis. Ils ont fermé les yeux. Oui, leur esprit s'est endurci. Dès qu'ils obéissent, ne tue pas ceci, ne prends pas ceci. Et ils se croyaient purs. Ils croyaient que ça, c'est fini. Mais qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Allons au deuxième point, notre deuxième point ici. La purification, purifiée par le Seigneur, non entachée par l'anarchie. Vous voyez, il y a l'anarchie partout. Si un chrétien ne prie pas, si un chrétien n'est pas prudent, si un chrétien n'est pas vigilant, si un chrétien n'est pas fidèle, et il sera influencé par l'anarchie autour de lui et il va faire ce qu'il veut, ce qui lui arrive, il fait. Ce qu'il voit faire, il le fait. Et l'église, ce que les autres églises font, donc, vous voyez cela sur les réseaux sociaux, vous voyez cela, ils le font. Pourquoi pas nous? On doit se rappeler, les autres pourraient, mais je ne peux pas, les autres pourraient. C'est la différence entre ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui suivent le monde. La purification, purifiée par le Seigneur, non entachée par l'anarchie. Ézéchiel, au chapitre 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est Dieu qui parle à Israël ici. Il croyait que ce qu'il faisait, ce qu'il évitait, que c'est assez bon. Dieu dit non, moi. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous ne pouvez pas être purifiés jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant répande l'eau du ciel sur vous avant de devenir pur. Je vous purifierai de toutes vos sues et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Votre vie dépend de l'esprit qui est en vous. Si c'est l'esprit du monde, il y a l'esprit de servitude, il y a l'esprit de crainte, il y a l'esprit de compromission, il y a l'esprit de la nature adamique, il y a l'esprit de Dieu. Et là, votre vie, ce que vous faites, comment vous vivez, en public, en privé, secrètement, publiquement, votre vie dépend de l'esprit qui vous contrôle du dedans. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Que l'Église dise Amen. Maintenant, pensez aux pharisiens, le genre de cœur qu'ils avaient. Et le cœur qu'ils avaient, c'est que, quel que soit ce que Jésus disait, ils ne vont pas s'accorder avec lui. Ils avaient le cœur de pierre. Si
s'ils continuaient de dire et ce qu'ils ce dont s'ils continuent de dire ce qui est à conflit avec eux, ils vont l'éliminer. Et Barabbas, et Barabbas, oui, c'est le fils du Saul. C'est un criminel, un brigand, oui, mais libérez-le. Crucifiez ce Christ. C'est le cœur endurci et Dieu dit que je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 27 dit, je mettrai mon esprit en vous, mon esprit en vous. Si vous avez son esprit, vous allez vivre pour lui plaire. Vous allez vivre pour marcher dans sa voie. Vous serez tendre, vous serez doux, vous serez saint, vous serez humble. Si vous avez son esprit qui vit en vous, vous ne serez pas rigide de cœur, incontrôlable, indocile, vous ne serez pas opiniâtre. Si vous avez son esprit en vous, vous serez reconnaissant d'écouter la parole de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Le verset 28 dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. 29. Le verset 29 dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. C'est parce que vous faites pour vous-même. J'ai lu Nombre 19. Ne touche pas sur comment. Faut pas faire ceci, cela. Si tu fais cela, tu vas mourir. Parce qu'à cause de la crainte de la mort, alors tu peux ne pas trouver ces choses-là. Et ce qui est au-dedans de toi et dans ton cœur. Dieu dit que c'est lui qui a la grâce, qui a l'eau purificatrice, qui a le sang de Jésus qui va vous purifier et il va vous sauver de toutes vos souillures, impuretés. J'appelais le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, écoutez bien ceci, et à se préserver des souillures du monde. Le monde, c'est le monde d'anarchie. Ils agissent comme s'il n'y a pas de constitution, comme s'il n'y a pas de loi. Ils agissent comme s'il n'y a pas de raison ou de fausseté. C'est comme s'il n'y a pas de règle pour tracer une ligne rectiligne. Mais si le Seigneur nous purifie, il nous rend purifiés par le Seigneur, mais non entachés par l'anarchie. Nous allons voir trois sections ici. Un, le sang qui purifie de toute souillure. 2. La bénédiction de la conscience sans aucune souillure. Numéro 3. Le fardeau de convertir les âmes endurcies et impures. C'est notre ministère que ceux qui sont impurs et qui sont endurcis, qui sont incorrigiblement impurs, le Seigneur nous a envoyés vers eux pour les persuader. Le Seigneur nous envoie vers eux pour les appeler de leur endurcissement et de leur impureté afin de soumettre la vie au Seigneur. Mais nous qui devons être
des instruments pour convertir les âmes impures et indurcies. Et si nous aussi, nous sommes incorrigibles, rigides, comment une personne impure peut-elle convertir une autre personne impure? Ne l'avez-vous pas lu lorsqu'on a lu Nombre 19, que la personne pure, alors il y aura, sera, et c'est lui qui va prendre l'eau de séparation sur la personne impure. Vous devez être pur avant d'être utile pour aider l'impur à devenir pur. Voyons numéro 1 ici. Le sang qui purifie de toute souillure. On va à 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Frères et sœurs, c'est très dommage, c'est très triste de penser que les gens qui professent être croyants aujourd'hui ne croient pas au sang qui purifie de toute souillure. Et la croyance d'aujourd'hui, la foi d'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, je crois, et ils demeurent dans l'impureté, avec des langages impurs, avec des langues impures, des comportements impurs, des interactions impures, impurs dans un comportement cupide. Ils sont demeurés comme ça. Et c'est dommage que le salut que beaucoup de personnes professent, le salut mental, le salut dans la tête, mais qui ne touche pas le cœur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous allons aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, de toute souillure de la chair, de toute souillure de la chair, lorsque la chair touche une autre chair, il y a la souillure. Lorsque la chair est en contact avec une autre chair, il y a des gens, ils sont très, très désireux que leur chair touche une autre chair. Sont-ce nés de nouveau? Oui, on ne sait pas. S'ils sont désireux, si c'est tout ce qui fait leur rêve, la chair. C'est dit que, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyons Psaume 51, verset 4. Lave-moi complètement et non superficiellement. Les gens que nous voyons aujourd'hui, même ceux qui étaient, mais même ceux qui sont dans une église biblique du Nouveau Testament, ils n'ont pas oui, cette purification parfaite. Oui. Ils peuvent se montrer différents du monde, mais ils sont superficiellement
laver. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le verset 7 dit, verset 9 du moins, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Je ne veux pas rester seulement blanc, blanc comme la neige, mais plus blanc que la neige. Le désir que tu as, la passion que tu as, c'est ce qui détermine ce que tu obtiens. Si tu veux être plus pur que le diamant, si tu veux être plus blanc que la neige, si c'est ta passion, cela va déterminer ta prière, cela va déterminer le genre d'expérience du salut que tu as, cela va déterminer le genre de sanctification que tu professes. Il dit ici que purifie-moi avec les eaux, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà la deuxième partie ici. Nous allons voir la bénédiction de la conscience sans aucune souillure. La bénédiction de la conscience sans aucune souillure. Nous allons aux Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Avez-vous jamais pensé au sacrifice de Christ, l'angoisse de Christ, les souffrances de Christ, tout ce qu'il a souffert pour verser le sang, pour notre salut, pour être sanctifié, pour être purifié. Et s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Si Christ travaille en nous, purifie-nous, purifie notre conscience devient sensible. C'est comme vous nettoyez le visage du miroir ou bien de la glace et c'est clair maintenant. Alors, on vous présente la bonne image. Il y a des gens que leur conscience ne se montre pas comme étant purifiée par le sang de Christ. Donc, ils agissent comme il n'y a pas de conscience. Votre conscience est le policier au-dedans de vous qui dit, tout d'abord, une sentinelle, il faut parler là-bas. Si tu t'approches de plus en plus, ta conscience, alors est toujours vivante, elle va te dire que tu t'approches du bord, du flanc. Tu peux tomber là-bas et dès que tu tombes là-bas dans la vallée, tu vas te fracturer la jambe. Ce n'est pas bon. Que je t'avais averti. C'est la conscience qui est le policier qui va t'arrêter, qui va te convaincre. Il y a des gens qui vont d'impureté à l'impureté, de mauvais comportement au mauvais comportement. Il n'y a pas de conscience. C'est pourquoi c'est dit à 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée 4 verset 2 qui dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, ils doivent faire cela pour se couvrir, pour couvrir ce qu'ils font, pour donner des excuses pour ce qu'ils font et pour se tirer d'affaires et de l'impureté. Et par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Actes des apôtres, chapitre 24. Actes 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Lorsque le sang
de Christ nous lave de toute impureté, oui, on est sensible, je ne veux rien faire. Qui souillait mes mains, qui endurcisse ma conscience, qui endurcisse mon cœur, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Numéro 3 ici, c'est le fardeau de convertir les âmes endurcies et impures. C'est le fardeau que nous avons. Ouais. Vous lisez le prophète, oui, le fardeau de Esaïe, le fils d'Amos, le fardeau du prophète Amos, le fardeau de l'autre prophète, le fardeau que nous avons, c'est le fardeau de convertir les âmes endurcies et impures. Et vous commencez de la prochaine proche de vous, elle est impure, la personne est endurcie, la personne est dépravée, la personne s'est endurcie, la personne s'entête. Quoi qu'on parle du ciel chaque jour, si on n'a pas le prix de parler, de payer le prix, même s'arrêter, dit que la façon dont je vais, et puis si on ne sait pas quand la mort peut venir, frères et sœurs, on ne sait pas quand cela peut venir et sans être préparé. Et la personne est rigide et impure et où passera-t-elle l'éternité? Les gens qui sont impurs de cette manière, voyons Proverbe au chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 12. Il est une race qui se croit pur et qui n'est pas lavé de sa souillure. Les gens qui courent et vont à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils doivent prier après la parole et au lieu de rester là-bas et ouvrir leur cœur à Dieu afin qu'ils soient purifiés, être sauvés, être restaurés, être raffiné, être purifié, le temps, l'heure est plus importante pour eux. Ils regardent l'heure, ils regardent le moment de sortir. Quand aurez-vous la purification qui vous prépare pour le ciel? Et à tout moment, vous êtes raté, on écoute la parole de Dieu. On regarde l'heure, après avoir écouté la parole, le temps passe, le temps file, pasteur. Oui, c'est une ville très embouteillée. Est-ce que tu sais quand on est rentré à la maison la fois dernière? Oui, et puis vous continuez à arriver à la maison, vous continuez la vie comme d'habitude. Et quand allez-vous vous préparer pour l'éternité? Il y a une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Voyons Psaume 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Voyons Romains chapitre 1, 24. Romains, les gens qui sont rigides, impurs. Romains 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et que tout le monde dise Amen. Verset 6. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Ils sont incorrigibles, endurcis, opiniâtres, têtus. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant homme avec homme, des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est quoi ils ont le VIH. Le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils se sont endurcis, ils sont têtus contre Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils avaient le cœur de pierre, et ils sont rebelles, opiniâtres, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour connaître des choses indignes. Le verset 29 dit, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Verset 30. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Les choses mal qui n'étaient pas là avant qu'ils ne soient nés, maintenant ils les inventent. Les crimes du monde, pour eux, cela ne suffit pas. Les transgressions du monde ne suffisent pas. L'impureté du monde ne purifie pas. Maintenant, ils doivent inviter le mal. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais il approuve ceux qui les font. Il encourage ceux qui font le mal. Ici, nous devons avertir le méchant. Nous devons persuader le méchant à se repentir. Et ceux qui sont appelés par Dieu à persuader et à ramener le pécheur à Dieu. Ce sont eux qui encouragent les pécheurs à continuer de commettre le péché. Puisse Dieu nous amener à la vraie fondation de notre appel au nom de Jésus-Christ. Voyons le troisième point ici, c'est la constance. Pur pour le Seigneur, consumé comme notre Seigneur. Ésaïe, et chapitre 52, Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Je crois que vous allez dire Amen. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Qu'est-ce qu'on fait?
Nous devons nous purifier. Nous devons effacer l'inconscient, l'impur du milieu de nous. Nous commençons par nous-mêmes. Alors nous devons tout faire que notre cœur est circoncis, que par le Seigneur lui-même, afin qu'il ôte toute impureté de notre cœur, de notre vie, de notre disposition. Qu'est-ce que nous devons faire? Comme nous n'avons plus l'impur en nous, nous commençons par nous-mêmes. Les choses évidentes impures dans notre vie, et nous sommes sincères, nous sommes honnêtes, et nous allons sur l'autel du Seigneur, nous invoquons le Seigneur, et qu'il purifie, qu'il efface, qu'il ôte tout ce qui est impur. Verset 11, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Psaume 119, verset 139. Psaume 119, verset 139. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Si vous voyez que l'assemblée là oublie la parole du Seigneur, la localité là oublie l'assemblée, la parole du Seigneur, et s'attire une foule qui aime l'impureté, qui aime la convoitise de la chair, les gens qui aiment les choses qui poussent leur chair à toucher une autre chair, et comme ils oublient la parole du Seigneur, dans l'assemblée de plusieurs dénominations, de plusieurs églises, même certaines de nos ânesses, nos branches, si vous voyez cette église-là, okay, j'ai le zèle pour le Seigneur parce que mon ennemi a oublié la loi de l'Éternel. Voyons Jean 2, 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ma maison me dévore. C'est pourquoi nous devons voir la constance que nous devons avoir, la constance pure pour le Seigneur, consumée comme notre Seigneur. Voyons trois sections ici. Numéro 1, bâtir la foi des convertis purs qui s'attachent au Seigneur. Les convertis qui viennent au Seigneur, alors comment on les édifie? Nous édifions leur foi, nous bâtissons leur foi et nous les faisons attacher au Seigneur. 2, porter le fruit des chrétiens purifiés et courageux. Nous portons le fruit de l'évangélisation, le fruit de disciquer. Nous suivons ces convertis. Nous voulons que ces fruits-là soient des chrétiens purifiés, courageux, pas des chrétiens nominaux qui ne sont pas différents des gens qui sont dans leur péché. 3. La fidélité audacieuse en une conviction pure et claire. C'est le genre de choses qu'on doit avoir lorsqu'on a la conviction. Lorsqu'on a la conviction, on devient audacieux. La loi par de Dieu est importante plus que tout gain dans le monde. Alors, on use de fidélité audacieuse envers la part de Dieu. La fidélité audacieuse en une conviction pure et claire. Première partie, bâtir ou édifier la foi des convertis purs qui s'attachent au Seigneur. Acte 11,
Acte 11, 23. Acte 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Comme le mari quitte ses parents pour s'attacher à sa femme, de même, l'Église abandonne le monde pour s'attacher à Christ. Ainsi, le chrétien quitte le monde et s'attache à Christ. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes comme une mariée à Christ, réellement, de façon pratique? Est-ce que vous êtes déterminé? Avec passion? Êtes-vous attaché, accroché au Seigneur? Est-ce que vous laissez toutes ces choses du monde? Et dit que c'est un grand mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous nous attachons, nous nous accrochons, nous nous attachons au Seigneur. Deuxième partie ici, nous allons voir ici. Porter le fruit des chrétiens purifiés et courageux. Les chrétiens dans le monde, s'ils ne sont pas courageux, ils ne peuvent pas demeurer chrétiens. Le monde va convertir ces gens-là, ou le chrétien, le monde va le convertir. Le monde ne va pas laisser le chrétien à suivre Christ de tout son cœur. Le monde ne va pas permettre au chrétien de suivre le Seigneur avec conviction, avec persuasion, avec passion. Parce que le monde sont actifs, ils œuvrent jour et nuit pour faire retourner le chrétien au monde. Donc si nous allons bâtir, si nous allons édifier, si nous allons porter de fruits, si nous allons avoir des fruits constants dans la chrétienté, ou dans le christianisme, nous devons avoir des chrétiens qui portent le fruit, des chrétiens qui ont l'épine dorsale, qui ont la conviction de résister au monde pour dire « Monde, reste-toi là, je ne suis plus du monde, je n'aime plus aucune de ces choses que vous faites là-bas et qui sont vendues par vous, puisse le Seigneur vous aider. » Acte 11, 27. Acte 11, 27. En ce temps, Acte 11, 26. Et l'ayant trouvé, Barnabas trouve Saul ici. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, ceux qui ressemblent à Christ. Acte 26, verset 28. Acte 26, 28. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Vous savez, la beauté de cela à l'époque-là, l'individu savait qu'il n'était pas chrétien. Il a entendu la parole, il aimait la parole, il était presque convaincu. Il dit, Paul, tu sais quoi? Tu veux que je sois chrétien, mais je sais que je ne suis pas encore là. N'est-ce pas bon que ceux qui ne sont pas chrétiens sachent qu'ils ne sont pas chrétiens?
Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. 29. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, avec le cœur, avec le cœur, avec l'esprit, avec avec la conviction, quoi qu'il soit un homme d'autorité, un homme de politique, l'apôtre Paul a dit, ça c'est ce que je veux pour vous, je veux que non seulement que presque, mais tous ensemble, que nous soyons des chrétiens, qu'il dit que plaise, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 13. Réussissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14 dit, si vous êtes outragé, si vous êtes insulté, si vous êtes attaqué, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme Christ a souffert, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien qui croit la Bible, si quelqu'un souffre comme chrétien qui ne va pas compromettre, si quelqu'un souffre comme un croyant ferme qui suit la voie et la volonté de Dieu, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Numéro 3 ici, la fidélité audacieuse en une conviction pure et claire. Pure et claire. Une conviction pure et claire. Si quelqu'un doit vous suivre chaque jour dans la vie, depuis du secret au public, écoutant ce que vous faites, écoutant ce que tu fais, te voyant interagir avec les gens, voyant ta transparence, ta vie, si quelqu'un doit t'accompagner et ne va pas te laisser une minute, qu'est-ce que la personne là sera en mesure de dire comme ta conviction, il entend ce que tu dis, il voit ce que tu fais. Qu'est-ce que la personne là sera en mesure de dire de ta conviction? C'est ce que nous devons vouloir être. Être audacieux, pur, avec une conviction définie. Il n'y a pas d'erreur en quelqu'un, que l'homme là est un homme de conviction. Voici sa conviction. Cette femme est une femme de conviction et on peut te le dire. Voici sa conviction. Mais si vous menez une vie que personne ne peut dire quelle est sa conviction, ah, nous le connaissons, l'homme là, c'est la vie profonde, on le connaît. Mais quelle est sa conviction personnelle? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Le Seigneur veut qu'on ait la fidélité
et l'audace. Que tu le connais, que tout le monde voit notre conviction claire et pure. Actes 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. L'assurance, l'audace pour avoir été avec Jésus. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est et l'amour est parfait. C'est en cela que l'amour est parfait. C'est en cela que notre consécration est parfaite. C'est en cela que notre amitié est parfaite avec le Seigneur. C'est en cela que notre dévotion est parfaite. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous devons nous rappeler que ceux qui sont audacieux pour pécher dans ce monde n'auront pas l'audace au jour du jugement. Lorsque les registres seront ouverts, lorsque les écrits seront lus, ceux qui avaient l'audace de pécher sur terre n'auront pas l'audace au jour du jugement. Les gens qui compromettent, les gens qui vivent une vie de duplicité, ils n'ont pas de pied pour tenir bon, n'auront pas l'audace au jour du jugement. Et c'est dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Si tu aimes le pécheur, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Tu lui prêches la vérité. Si tu aimes l'ami là, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Tu lui prêches la vérité. Si tu veux empêcher l'âme là d'aller en enfer, si tu veux que l'âme là aille en enfer, il y a l'amour dans ton cœur que la personne ira en enfer, que par le sacrifice de Christ et par tes efforts, tu ne vas pas craindre la personne, tu feras tout. Si tu es pasteur, tu aimes ton assemblée et ton amour pour eux, c'est qu'ils aillent au ciel. Tu n'auras pas peur d'eux. S'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, ils agissent de cette manière, tu prêches encore la parole parce que tu aimes. S'il n'y a pas ignorance, ils agissent contre toi. Si tu les aimes, tu ne vas pas les craindre parce que tu vois. Si tu les crains, tu ne vas pas continuer de leur dire la vérité. La crainte n'est pas dans l'amour. Prédicateurs, soyons remplis de l'amour de Dieu et l'amour vous fera oublier ce que vous allez traverser. C'est comme une maman qui a passé par le travail pour accoucher l'enfant. Et même après cela, il y aura encore d'autres des souffrances. Mais la maman ne va pas abandonner le bébé là. Il fait tout. Elle fait tout à cause de l'amour. Elle peut sacrifier sa vie pour la vie de l'enfant là. C'est ainsi les pères et les mères sont. C'est ce que nous devons avoir. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint, parce qu'il a peur, il mesure ses mots. Il ne dit pas au rétrograde de se repentir, d'être restauré. Il ne dit pas au pécheur de se repentir, d'être sauvé. Il ne dit pas
à celui qui est en route pour l'enfer, il ne l'arrête pas pour dire, reviens, que c'est la voix de l'enfer. Il n'est pas en mesure de déclarer la parole de façon factuelle et transparente à cause de l'amour. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Que le Seigneur nous accorde l'amour parfait au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur. Parlons, Seigneur, dans la prière, tout ce que nous avons entendu maintenant, que le Seigneur nous purifie, qu'il nous purifie, qu'il nous lave de toute forme d'impureté. Il est capable, il le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Priez, ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.